Quand je vois ce village, j'ai envie de vous dire Ongitori Escolaria, ce qui veut dire bienvenue en basque. Je suis très heureux de vous retrouver ici sous le soleil au bord de l'océan Atlantique pour commencer mes nouvelles échappées belles qui vont aussi me mener à l'intérieur du pays. Je vais rencontrer Jean-Jo Marmouillet, un rugbyman de l'Aviron bayonnais qui va me faire découvrir sa ville avant d'assister aux fameuses fêtes de Bayonne où plus d'un million de personnes se retrouvent chaque année. Puis ensuite, j'irai à la rencontre de Nicolas, un berger en pleine transhumance qui me fera découvrir son métier en haut du col d'Irati. Et puis je terminerai mon voyage avec Baptiste, un jeune surfeur qui me fera découvrir son spot caché sur la côte atlantique. En attendant, j'ai rendez-vous avec Sylvain, un jeune maître nageur sur la plage de Miramar. Le voyage ne fait que commencer. Salut Sylvain. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Tu peux l'appeler Patchy. Ok, salut Patchy. Je te présente Anaïs. Salut Anaïs. Salut. Ça va? C'est une grosse période d'influence là? C'est la plus grosse là. La pression est au maximum. Il y a beaucoup d'interventions? Beaucoup de prévention. On s'organise pour faire le minimum d'interventions. D'accord. Et c'est pas trop dangereux d'avoir des baigneurs et des surfeurs sur la même vague? C'est absolument interdit en fait. On se débrouille pour que ça n'arrive jamais. D'accord. Ce qui est important, c'est que justement, on ait notre zone de bain entre les deux drapeaux bleus. Mmh. Et en dehors, on organise une zone pour les surfeurs. De façon à ce que tout le monde cohabite sur la plage et qu'il n'y ait jamais d'accident. Et que tout le monde passe de bonnes vacances. Et que tout le monde passe de bonnes vacances, absolument. Toute l'année, t'es pas maître nageur, t'as quand même un autre métier. Voilà, moi je suis sapeur-pompier professionnel. Je fais des remplacements simplement sur les plages, sur la base du volontariat. Dès qu'il leur manque un petit peu de monde, dès que l'activité devient trop intense, je viens les aider. Et moi je suis plutôt à leur formation toute l'année. Tous des passionnés, pour la plupart des surfeurs, ouais, qui dans la continuité de leur vie biarrotte, vont surveiller comme beaucoup leurs pères, leurs oncles, leurs grands-pères, surveiller les plages à Biarritz. C'est pas frustrant de voir des surfeurs toute la journée. Toi, tu surfes? Ouais, on surfe beaucoup. C'est très, très, très frustrant. Mais on y va tôt le matin, on y va tard le soir. Ça fait partie de notre truc, on sait. C'est quand même un super job. Hein. Tu bosses les pieds dans l'eau. Complètement. C'est pas génial, ça? Ah, c'est pas mal. Bon, Raphaël, c'est ton premier jour à Biarritz. Oui, j'ai fini mon service. Ça te dirait de prendre de la hauteur? Avec plaisir. Et là, on est parti pour 248 marches. C'est précis. C'est très précis. Attention à la tête. Ouais. Waouh. Quelle vue. Ah ouais, c'est la plus belle, là. Là, on se rend bien compte de l'étendue de Biarritz. Et puis aussi de l'arrière-pays, quand même, très montagneux derrière. Exactement, avec la rune, la ville qui tombe sur la plage. Ouais. Et derrière, le Pays Basque. Et de là, on voit les côtes espagnoles, c'est ça? Et la grande montagne que tu vois là-bas, qui se plonge dans la mer, c'est ce qu'on appelle le Reisquibel. Ouais. C'est déjà l'Espagne. D'accord. Attends, est-ce que je vois les sauveteurs? Juste Miramar, à gauche du palais, c'est ça? Ouais, et on voit même d'ici, on voit Charline et Anaïs. Non, je te crois pas. Biarritz est la plus ancienne station balnéaire française. Ces plages nous plongent dans l'histoire de France. Si aujourd'hui les flots de vacanciers s'échouent sur les plages de Biarritz,
Il fut une époque où seules les baleines et leurs baleineaux flottaient le long de la côte basque. Au Moyen Âge, Biarritz n'était encore qu'un petit village de pêcheurs. Cette plage était très utilisée par les chasseurs de baleines. La baleine était un produit très intéressant parce qu'on pouvait tout utiliser. Évidemment, la graisse que l'on faisait fondre pour s'éclairer, après ça servait d'huile. Il y avait aussi la peau qui était tannée, les fanons bien évidemment qui étaient très utilisés dans les corsets, pour les parapluies. Au XVIIe siècle, les baleines prennent le large. Aujourd'hui, la baleine biarrotte peut se la couler douce et profiter des bienfaits de l'océan. Les ours blancs, ce club de nageurs se baigne tous les jours, été comme hiver. Depuis le 19e siècle, les bains de mer sont en vogue à Biarritz. L'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, a lancé la mode. Dans son corset à fanon, elle a été la première à s'adonner au plaisir de la baignade. Les gens étaient quand même pudiques à l'époque, donc c'est vrai que c'était quand même... les femmes gardaient des robes longues, vous voyez, qui étaient très ajustées, mais enfin bon, et elles se baignaient avec leurs robes. 85 et 83. Nous sommes la preuve vivante que ça conserve. Hein. Biarritz est devenue une station balnéaire. Et dans les années 20, elle plonge dans les années folles. Chevilles et bras se dévoilent. Mais le hâle doré d'une peau d'été n'est pas encore à la mode. Les élégantes portent le chapeau. Vedettes de cinéma, aristos européens, tout le gratin mondain se retrouve à Biarritz. Coco Chanel, Sacha Guitry, ils sont tous à la plage. Je suis contente du nouveau palefrenier. Oui. Après la Première Guerre mondiale, on vient chercher ici la douceur de vivre, se libérer le corps et l'esprit. Aujourd'hui, ces biarros préparent un spectacle dédié à ces années folles. En cette période-là, bon, les gens ne se baignent pas comme on se baigne maintenant. Les gens font trempette, quoi. Puis les gens ont peur de l'eau. Hein. On y va doucement. Donc, Biarro a l'idée de créer le métier de guide baigneur. Donc voilà, c'est le début du métier de maître nageur. Les tentes sont alignées sur la grande plage depuis déjà un siècle. Lorsqu'à l'été 1936, elles accueillent les wagons heureux du Front populaire. Biarritz a déjà une gare. Les vacanciers des premiers congés payés peuvent vite sauter dans leur maillot de bain. Mais interdiction de se déshabiller sur le sable. Tous sous les tentes. En place. C'est toi qui as la crème. Il s'agit de mon père et sa sœur, déjà sur la grande plage de Biarritz. Mon père était né en 24. C'est une photo que j'aime beaucoup parce que voilà, ça évoque beaucoup de souvenirs. Je suis toujours venue là. Mes parents avaient la tente, eux, depuis 1950. Et nos vacances d'été, c'est la grande plage, c'est la tente. Tous les ans, Sophie retrouve les Bretons et les Parisiens, ses voisins de plage. Et ils reprennent leur conversation où ils les ont laissés au 31 juillet de l'année précédente. Je vous entendais rire, mais même quand c'était marée basse, que j'étais au bord, loin, loin. Alors, côté plage, je peux vous faire part de quelques observations. Il y a un instinct grégaire. Les gens s'installent toujours à peu près au même endroit. Hein, à un mètre près. Hein. Et alors, dès qu'il y a des nouveaux, des gens qu'on n'a jamais vus, on est tous sur le qui-vive. Alors imaginez la surprise lorsque les premiers surfeurs ont pris les vagues de Biarritz dans les années 50. Claude apprend à ses petits-enfants comme il l'a fait avec son fils. C'est l'un des premiers à s'être jeté à l'eau en 1956. Mon oncle, Enbut, me dit « Tiens, est-ce que tu veux voir un homme marcher sur les vagues ?» Cet homme, c'est un Américain, arrivé à Biarritz avec sa planche. Intrigués, les jeunes Basques s'y essayent. Ça m'a complètement chamboulé ma vie. Et je me suis dit, bon, mais je quitterai plus Biarritz, il n'y a rien à faire.
peuple, et on y va. Je viens de faire 80 ans et bon, je voudrais pour ces 80 ans en prendre une. L'Américain a laissé sa planche sur la côte basque. La mode du surf est née en France et en Europe. Et Biarritz est vite devenue une Californie à la française. Merci, j'ai rendez-vous avec Guillaume Josué, le tapissier de l'Hôtel du Palais. Alors, je crois qu'il vous attend dans la suite 116 au premier étage. Vous avez l'escalier ou l'ascenseur juste derrière vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, monsieur. Guillaume ? Je suis là, Raphaël. Bienvenue à l'hôtel. Oui, merci. Bon, j'espère que tu as fait bon voyage. Très bon voyage. Je te présente Maryse. Bonjour madame. Bonjour, enchantée. Je vous dérange en plein travail, c'est ça? Oui, alors on est en train d'effectuer des réparations avant que la chambre soit louée. Donc voilà, tu vois, je fais un petit point caché pour réparer ce bout de lit. Et j'avais un petit galon à recoller avant l'arrivée des clients qui vont s'installer dans la suite. Toi, tu travailles depuis combien de temps à l'hôtel du Palais? Alors, ça fait 16 ans que je travaille ici. Ouais. Donc moi je suis spécialisé dans la tapisserie d'ameublement. Nous sommes 9 personnes en fait à travailler pour l'hôtel et on œuvre la restauration du mobilier et la décoration d'hôtel. Je vais pas t'aider parce que je vais pas y arriver. À la base, c'était vraiment une villa d'été qui a été commandée par l'impératrice. La première commande était beaucoup plus sombre. D'ailleurs, Napoléon III et Eugénie à la réception du chantier étaient déçus. Donc 3 ans après, une aile a été rajoutée. À la fin du Second Empire, l'hôtel a été vendu par Eugénie, s'est transformé en casino, a brûlé, et un architecte a réalisé l'architecture de style néo-Louis XIII, l'architecture actuelle. Les têtes couronnées et tout le Gotin venait passer des vacances ici. C'est ce qui a fait une identité forte à Biarritz. C'est-à-dire à la fois élégante et discrète. Tout à fait. Alors là, tu m'emmènes dans une ambiance différente, oui, de la suite feutrée de l'hôtel du Palais. Oui, complètement. Alors là, on se retrouve donc dans les halles, ouais. Donc, qui fait partie aussi du patrimoine biarrou, puisque les halles ont été en partie financées par Napoléon III. D'accord, on retrouve toujours Napoléon III. Voilà, Napoléon III qui a pleinement contribué justement à l'essor de Biarritz, par aussi le début de l'industrialisation qui a permis à Biarritz de connaître tout l'essor qu'elle connaît aujourd'hui. Et voilà. C'est une véritable torture. Tu sais pourquoi ? Une véritable torture. Parce que j'ai envie de tout goûter là. Ouais. Il y a tous les choix. Il y a du tendre, il y a du sec, il y a un peu de tout. Ça, c'est du tendre. D'accord. Ouais. On n'est pas là. Venez. Merci. Attends Guillaume, je partage. Vas-y, vas-y. Moi aussi, on partage. Ouais, très bon. Absolument. Tendre. Il y en a un qui me tente pas mal là. Le brebis au piment d'Espelette. Piment d'Espelette, d'accord. Je viens goûter un tout petit peu. Le piment d'Espelette, la particularité, c'est qu'il est assez aromatique et qu'il n'est pas vraiment très piquant comme un piment traditionnel. Ça veut dire qu'il n'est pas trop fort pour tuer le goût du fromage. Voilà, il exactement. Relève les saveurs. Ça relève les saveurs, ouais. Et donc tu peux le trouver, après tu vas le décliner dans différents produits, dans des confitures, dans des gelées, voilà. Excellent. Vous l'associez avec quoi, vous, le piment d'Espelette? Avec une viande, c'est très bon aussi. Mmh. Ah, c'est parfait. Pas obligé avec du fromage. D'accord. Ouais. C'est bon à avoir chez soi. Ah ouais, c'est conseillé. Ah, c'est conseillé. Oh, hey Pachi. Ça va? Ça va. Bonjour Raphaël, je te présente Guillaume, technicien à l'hôtel du Palais, Pachi, Sylvain, pompier et maître nageur. C'est un point de rencontre habituel? Ouais, on aime bien se retrouver là, c'est ouvert toute l'année. Ouais. On adore passer par ici, ouais. Merci. C'est premier rendez-vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de bars autour, ouais. Mais ici vous êtes avec les producteurs. Exactement. Les bons produits. Les copains. Ouais. C'est parfait. Bon, on va aller grignoter un petit bout de jambon. Bonne continuation. Ouais, salut Pachi. Bonne visite. Ouais, salut. Shingara, le X, c'est ça, oui, c'est ça, c'est chelou.
jambon très doux, qui n'est pas salé, qui n'est pas gras. Il est très... Il est... En fait, il faut le goûter. Ah bah, je veux bien. Voilà. Bah oui. Il est bon, votre jambon. Les Basques, grands voyageurs, ont ramené au pays des saveurs du monde entier que leur terroir a adoptées. Aujourd'hui, leurs produits s'exportent à travers le monde. Elle est parfaite. Cet instrument qui est un os de perronnet de cheval nous permet de sonder le jambon dans trois points. Et on voit à l'odeur si le jambon est bon ou si le jambon est mauvais. Donc celui-là est bon. Donc on peut l'expédier. La demande aujourd'hui vient d'un peu partout, des pays asiatiques, le Japon, un peu la Corée, la Chine, les États-Unis. Ça a commencé timidement il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça pousse plus sérieusement, quoi. Ce terroir fait voyager les Basques et leur culture. Cette année, Eric accueille un stagiaire coréen. Ouran est venu de Séoul pour apprendre l'affinage du jambon. Il a goûté et succombé à la charcuterie lors de ses voyages en Europe. Avec la paume de la main, on travaille comme ça, hop, et on étale au maximum. Tu vois, avec la sensibilité du dessous des mains, c'est justement là que tu vas pouvoir bien étaler, tu vois, tout ça. Première fois, j'ai goûté le jambon Ibayona, donc c'est surprise. Quand je suis retourné en Corée, il n'y avait pas la charcuterie, donc j'ai essayé de faire moi-même. Mais c'était bon, mais j'étais pas très sûr que je sais pas si c'est bien ou pas. Voilà. Donc si un jour tu fais ça en Corée, il faudra que tu fasses attention parce que le taux d'humidité qu'il y a dans l'air en Corée, il est peut-être pas identique à celui d'ici. Tout producteur confondu, chaque année, plus de 100 000 jambons sont vendus à l'étranger. Et Ouran espère affiner le jambon made in Séoul. Il repartira bientôt en Corée pour ouvrir une charcuterie. Il prendra certainement du piment d'Espelette dans ses bagages, car depuis le 18e siècle, les jambons sont assaisonnés à l'épice basque. Oh, magnifique fleur. Et toutes ces fleurs vont porter des piments. Le piment est arrivé dans les malles d'un marin à l'époque de Christophe Colomb. Et ce fameux piment d'Amérique du Sud, eh bien, il s'est acclimaté. Il a retrouvé les conditions météorologiques qui lui convenaient, à savoir chaud, humide. Ce piment-là, planté dans d'autres régions de France, ne rendra absolument pas cette richesse organoleptique. Ces qualités, des arômes et une saveur unique qui ont fait la notoriété internationale du piment d'Espelette. Surtout depuis 2000, quand elle est devenue la seule épice française à bénéficier de l'appellation d'origine protégée. On sent déjà le parfum du piment. Vous le sentez ? Il s'exporte principalement dans les pays européens du Nord et de l'Est. Danemark, Scandinavie, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche. Et puis après ça, sur l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. C'est un piment qui est chaud en bouche, mais tout à fait raisonnable, ce qui fait que ça correspond à nos palais d'occidentaux qui n'aiment pas avoir le palais emporté, comme on dit. Le piment a d'abord été utilisé pour relever le goût du chocolat. Au XVIIe siècle, les Juifs portugais ont fait entrer les fèves de cacao dans le port de Bayonne. Chassés d'Espagne pendant l'Inquisition, ils ont fait découvrir cette saveur douce-amère à la France. Et au Pays Basque, il y avait plus de chocolatiers qu'en Suisse. Le chocolat est arrivé à Bayonne et au Pays Basque en boisson déjà. C'était une boisson. Ça n'a jamais été une tablette de chocolat ou un bonbon de chocolat. C'était une boisson épaisse avec de la farine de maïs, de la cannelle, du piment. Christophe coulera bientôt ses tablettes au Brésil, où il y a une importante communauté basque, comme partout dans le monde d'ailleurs, car les Basques ont été de grands voyageurs. Sao Paulo, c'est une ville de 25 millions d'habitants et vous avez encore des frontons basques en plein centre-ville. Donc il y a une grosse communauté et une grosse identité. Je pense que ça serait plus difficile aujourd'hui de l'exporter dans un pays
où il n'y a pas de communauté basque, par exemple. Aujourd'hui, moi, le travail que j'ai sur le Brésil, c'est géré par un Basque. Les Basques croquent les marchés chinois, russes, canadiens, brésiliens ou qataris. Ils ont séduit les gourmands du monde entier. Salut Stéphane. Bonjour, t'as fait bonne route hein? Ouais, merci, ouais, ça va. Bon, bah, bienvenue au Pays Basque alors. Hein. Merci. Je dois dire Stéphane, le vétérinaire, le soigneur d'animaux ou le Robin des Bois des rapaces? Oula, non, ni l'un ni l'autre, vétérinaire, on va pas froisser la profession. Non, je suis juste un soigneur spécialisé faune sauvage. Et là, tu m'as donné rendez-vous pour lâcher un rapace, c'est ça? Voilà, mais ce qu'on fait régulièrement ici sur le massif de la Rune, en partenariat avec le Petit Train, c'est que pendant la saison touristique, on essaye de sensibiliser aussi le grand public à toute cette nature qu'on peut avoir ici. Donc, l'oiseau, c'est celui que j'entends là, juste dans la là, cage. Là, qui bouge un petit peu, il est un petit peu tendu. Je peux donc regarder. Voilà. Ouais, pas de souci. Donc là, c'est vraiment de l'oiseau sauvage. C'est pas du tout un spectacle de fauconnerie ou quoi que ce soit. Là, c'est des animaux qu'on va soigner, qu'on remet dans la nature. Donc là, c'est une buse variable. C'est un petit rapace assez commun. Bon, voilà, tu vois. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, ben, elle a pris une calandre de voiture. Elle est restée combien de temps? Là, ça fait à peu près un mois et demi en soins. C'était pas une fracture trop importante. Il n'y a pas eu besoin d'opération et de pose de broche. Pour elle, c'est bien. C'est le grand jour pour elle. Ouais, ouais. Ouais, c'est le grand jour. Tant mieux. Attention, rapace. Attention, pardon. Ça va? Ça va? Ouais. Bonjour, Benoît. Bonjour, Raphaël. Bon, vous montez avec vous? Vous allez monter avec moi tout devant, hein, pour être tranquille. Ouais, première classe. Ouais, première allez. Classe. On y va. C'est parti. Bon. Et le sommet, c'est à combien de mètres? Le sommet, il est à 900 mètres, 905 exactement. Et là, on est parti de combien? 169 mètres. Ah oui, quand même. Ça fait à peu près 700 mètres de dénivelé. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a ces petits dents? Ouais, alors ça, les dents, là, c'est, on appelle ça la crémaillère. Quand il y a une grosse pente, ah, il y a une ça, pente permet forte, de... ça permet de faire monter le train. Ouais. D'accord. Et il est resté dans son jus, ce train? Ah oui, c'est le même depuis 90 ans. Quoi. Ah oui? Ouais, ouais, c'est le même. 90 ans, d'accord. 1924. Et toute l'année, il y a beaucoup de touristes qui prennent le train? Ouais, on est sur une moyenne à peu près 340 000 par an environ. 340 000 ouais. Par an? Ah oui. L'été, on fait des journées où il y a plus de 4 000 personnes, au mois d'août, quoi, surtout. Non, ça plaît, ça attire ici. Là, ça y est, on découvre... La vallée et les montagnes. Ouais. Et là, sur la gauche, le point de vue des Pour moi, c'est le plus beau paysage de la montagne. Ah ouais, là, quand ça se découvre... Ça pète. Voilà, on arrive au sommet là. Ah, tu vois, je relâche mes crochets. Dans 5 minutes, lâchez du bouton. Reviens au développement, on lui rend ça. Il y a tous les enfants qui sont excités là. Ouais, il va y avoir tout le monde, ouais. Je refais une petite beauté avant. On va y aller avec l'huile. Alors, je vais passer dehors.
Là, on va essayer de faire quelque chose. Là, attendez les enfants. Chut, chut, chut. J'ai un super assistant aujourd'hui, donc il va prendre une aile sur le côté, il va la déplier. On va vous montrer l'envergure un petit peu de cet oiseau. Wow. C'est impressionnant, hein. On va replier tout ouais, ça. Doucement. Et ça te fait pas un petit pincement au cœur de libérer comme ça l'oiseau et de plus jamais le revoir ? Non, ça me fait surtout plaisir de, voilà, de partager avec tous ces enfants et toutes les personnes présentes. Vraiment, c'est le but de la réhabilitation et de toutes nos activités, c'est que l'animal est sauvage et doit rester sauvage. On ne peut pas en faire des animaux apprivoisés comme on a des canaris ou des perruches à la maison. Un animal domestiqué, c'est un animal qui perd son instinct. Son instinct, donc, et qui ne pourra jamais retourner dans la nature. Alors, bon, les enfants, vous avez tous compté jusqu'à 3, d'accord ? Alors, 1, 2, 3. Voilà. C'est toujours un moment d'émotion quand tu lâches un oiseau pour toi et aussi pour les enfants. Ouais, ça c'est le résultat aussi du travail de toute une équipe derrière. Donc voilà, c'est des moments forts et les faire partager, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Et puis en plus dans un territoire exceptionnel. Exceptionnel, là justement on va aller voir le paysage où vivent toutes ces espèces. Là, tu as toute la vallée de Charreta. Donc, là, on est du côté espagnol ou du côté français ? Pays basque, on va dire espagnol. Ici, il n'y a pas de frontières. On oublie les frontières ? On oublie les frontières. Voilà, moi, je ne suis pas natif d'ici, mais on m'a toujours dit, ici, il n'y a pas de frontières. C'est le Pays basque, tout simplement. Moi, je profite encore une dernière fois de la vue. Ouais, tu as raison. Un territoire de quelques kilomètres carrés unit 4 villages. Sahar et Ainhoa au Pays basque français et Urdatz et Tzugaramurdi au Pays basque espagnol. Bienvenue dans le Charreta. À l'école basque de Sahar, le français est introduit à partir du CE2. Et ici, tout le monde parle basque car tous viennent de part et d'autre de la frontière, enfants et parents. La Navarre, c'est le Pays basque sud, donc c'est de l'autre côté de la frontière. Mais pour nous, c'est comme si c'était le petit village à côté, c'est exactement pareil. On parle en basque avec les gens de Tzugaramurdi et voilà, il n'y a aucune différence avec ça. Mucho hispani? Pour moi, l'Espagne, c'est vraiment loin d'ici. La France aussi. Ici, je me sens sur ma terre, mon pays, c'est chez moi. Depuis plusieurs générations, les enfants viennent à l'école ici et les parents travaillent et font leurs courses d'un côté ou de l'autre. Il fut une époque après la Seconde Guerre mondiale où, à la nuit tombée, les agriculteurs d'Ainhoa flouaient la frontière. À pied, par la montagne, ils passaient du bétail. Mais cette frontière était bien gardée. Deux douaniers au kilomètre. Moi, je me souviens, Aitachi, il me disait que les douaniers, ils les invitaient pour prendre un café avec un petit rhum. Et puis pendant ce temps, comme ça, il allumait la lumière en haut. Les gens, ils passaient les animaux ou un peu plus tranquillement, quoi. C'est mon père qui m'a mis en route pour la contrebande. Ça m'intéressait pour... mieux que l'école. Tout le monde faisait de la contrebande. Ma mère, en mobilette, elle a passé de gigot pour le boucher qui était à Souraï. On était des pauvres, hein. Il fallait des sous. C'est pour ça qu'on a appris, hein. L'Europe et la libre circulation ont mis fin à la contrebande et les barrières se sont ouvertes. Alors, pour boire un verre, les jeunes de Sahar passent simplement la frontière. Tzugaramurdi, c'est le clocher d'à côté. Derrière le comptoir, c'est le cousin de Marie qui vient d'arriver.
Souvent, les mariages ne connaissent pas trop de frontières. Les gens allaient dans des bals des deux côtés et se connaissaient et finissaient par se marier. Et ça m'est arrivé avec mes grands-parents. Du coup, on se retrouve à avoir beaucoup de cousins qui sont et d'un côté et de l'autre. À cheval entre le Pays basque français et espagnol, les quatre villages du Charreta ne connaissent pas de frontières. Sérieux. Alors il gagne en plus. Bayonne, maintenant, vous sentez que ça progresse. Oui. C'est-à-dire que la prochaine saison, ça on peut rêver, on peut rêver. Vous pensez être dans les six premiers? Non, il ne faut pas être trop gourmand, mais si on est dans les dix premiers, ça sera déjà pas mal. Salut Jean-Jo. Ça va? Pas trop fatigué après l'entraînement? Ça va un petit peu là sur la prépa, mais ça va. Ça va. D'accord. J'ai juste un passage bien chaud, bien froid à faire, j'ai un pour 10 minutes. D'accord. Et après, tu me fais visiter Bayonne? Voilà. Super. Allez, à tout de suite. À tout de suite. C'est la place de la Liberté, donc place de la mairie. Et le balcon fleuri que tu vois, c'est de là que sont jetées les clés de la ville pour les fêtes de Bayonne, l'ouverture des fêtes. Ah, tu peux me rappeler ce que c'est que les fêtes de Bayonne? Ben en fait, ici donc au Pays Basque, chaque ville ou village a ses fêtes à une période de l'année, sur quelques jours, 4-5 jours au week-end. Toute la ville est fermée. Les gens s'habillent en rouge et blanc, donc Bayonne, il y a 50 000 habitants à l'année. Et pendant les fêtes, on compte 1 200 000, 300 000 personnes qui viennent visiter la ville pendant 5 jours. Tu vois les rubans là, ou vert et blanc, c'est festif, exactement. On habille la ville pour les fêtes. D'accord. Les fêtes de Bayonne. Voilà, justement. Toutes les rues sont décorées comme ça. Vous vous préparez déjà à vivre dans l'effervescence de la fête. Ça met les gens, ça annonce l'arrivée des fêtes un petit peu. Ça met les gens dans l'ambiance. Exactement. Toi, tous les matins, t'as entraînement avec le club, c'est ça? Ça te permet d'avoir du temps pour profiter de la ville. Voilà, c'est vrai que j'aime bien venir me balader, c'est assez agréable, assez joli, comme tu vois, dans la cathédrale ici, là on est dans la vieille ville. Ouais. Et c'est vrai que quand je peux, j'aime bien venir y passer du temps, ouais, traîner ici. J'aime. À Biarritz il y a quelques jours et je ressens une ambiance, une atmosphère très différente ici à Bayonne. Ça doit être peut-être la Nive ou l'architecture. C'est pas pareil. C'est vrai que l'architecture est une des principales différences entre les deux villes. Ici on a un côté plus populaire, plus traditionnel sur la maison basque. Ouais. Qu'à Biarritz il y a des bâtiments beaucoup plus huppés, beaucoup plus aristocratiques, venant de différentes périodes. Il y a des belles choses à venir chercher ici, il y en a des très belles là-bas également. Puis d'autres endroits aussi dans le Pays Basque. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance à ce niveau-là, au niveau du cadre de vie, d'avoir des endroits si proches et finalement si différents, à 5 km d'écart. Je peux? Bayonne. J'aime bien envoyer des cartes postales quand je suis en voyage. Bah oui. Il n'y a pas des rugbyman? C'est toi qui choisis la dernière carte. Là, je vais t'amener dans un endroit un petit peu différent, moins accessible, moins connu.
Mais ça va te plaire. Tu vas voir, tu vas comprendre. D'accord. Il y a quelqu'un ? Oui, entrez, entrez. Bonjour. Bonjour. José. Comment allez-vous ? Ça va, Jean-Jean ? Ça va bien, toi ? Ça va, je te remercie. Mon copain Raphaël. Bonjour. Enchanté. Didi. Enchanté. Bienvenue. Et je vois que vous êtes spécialisé pour les fêtes de Bayonne. Nous avons décoré ce local avec les affiches des fêtes de Bayonne, ah ouais, qui sont les affiches qu'ont fait mon père adoptif, Arnaud Saez, qui a beaucoup marqué les fêtes de Bayonne depuis 1956 jusqu'en 2000. Kandinsky et Picasso étaient ses maîtres. Il avait beaucoup de naïveté et toutes ses affiches s'adressaient beaucoup aux enfants. Mais surtout, quelle créativité, parce que chaque année, pendant 30-40 ans, il a fait, oui, une affiche différente. Jusqu'à 89 ans. Ah, celle-là, elle est sympa. Elle est pas mal, celle-là. Alors, toujours partout, la couleur, ce que tu disais tout à l'heure, couleur blanc et rouge, qui sont les couleurs de la fête de, oui, Bayonne. Ils sont 1 million et tous attendent l'ouverture des fêtes de Bayonne. Que les clés de la ville leur soient jetées, comme la famille de Carole et Maïté. Pendant 5 jours et 5 nuits, tous en blanc et rouge. Vraiment tous. Vous voyez tous ? Mais il faut du style pour pimenter la fête. Et avant qu'elle ne monte à la tête, quelques idées pratiques. Portable dans les chaussettes, numéro sur le bras. Comme ça, on ne se perd pas. Les minots de Bayonne sont rodés. Il l'est fait depuis l'âge de 6 mois. Ce sont ses 4e fêtes. C'est une institution. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants, autrement appelée haltérophilie des papas. J'ai 8 jours dans l'année, je suis là 6 toute l'année. Mais attention, décibels. Maïté était avec ses petits-enfants en landau pour leur première fête. Ils avaient 1 mois et demi. On se sent rajeunir, bien sûr. D'abord, le dynamisme revient. On n'a pas le droit d'être fatigué. Et puis surtout, de montrer aux enfants ce qu'est la fête et aux petits-enfants. Il faut être endurant. Je pense que c'est les parents qui font le plus la fête. Parce que ils rentrent assez tard. Effectivement, c'est à ceux qui feront le plus vibrer Bayonne, autour de Laurent et de son cœur d'homme basque. La fête de Bayonne ne sont pas une feria, on ne fête pas de saints religieux, c'est une fête créée en 1932 pour faire la fête, tout simplement. Donc c'est un moment assez épicurien. À son tour, Karine entre en piste, de l'autre côté de la ville. Et là, tu fais passer derrière. Ouh. Et tu vas chercher le cavalier derrière. D'accord. Avec son mari, elle retrouve ses tantes et ses cousines pour aller danser. Comme Maïté, la super mamie. Pour sûr, elle ne passerait pas son tour de piste. Formidable espace de liberté. Finalement, on nous autorise à faire un petit peu déborder le trop-plein accumulé dans l'année. D'un coup, ça se rassemble, ça se mobilise et on a cette montée d'adrénaline, cette montée d'émotion. Attention, frisson. Ce serait bien trop facile de continuer la fête en restant simplement accoudé au comptoir. Il y a bien voir, là. Ce
soit on reste au comptoir pour boire l'apéro, soit on va au milieu de l'arène pour défier la vachette, soit on fait comme nous, on reste derrière la barrière et puis on regarde les autres s'amuser. Il y a toujours eu des vachettes à Bayonne, comme dans les fêtes de Pamplune au Pays Basque espagnol. Dans les années 60, les deux villes se sont jumelées et les Bayonnais ont abandonné leur ancienne tenue de fête, le bleu de travail, pour adopter le rouge et blanc de Pamplune. Ils ont tous grandi ensemble à Bayonne. Et avec les années, beaucoup ont dû déménager. Mais tous les ans, le rendez-vous est pris pour les fêtes. Je préférais être ici que dans mille autres endroits sur Terre. C'est pour moi le moment le plus important des fêtes. Le vendredi matin, quand je me réveille, c'est les copains, le foulard. Et ses copains, il y a 10 ans, ont créé leur banda, une fanfare bayonnaise, pour participer à la fête. Tous leurs fans les attendent. La banda, elle est spécialement pour les fêtes de Bayonne. Il n'y a qu'ici qu'on trouve cette énergie, il n'y a qu'ici qu'on trouve cette ambiance. Et donc finalement, il n'y a qu'ici qu'on a vraiment envie de le jouer. La rue invite au déhanché. Et la soirée continue dans les Peñas, les locaux des associations comme celle de Laurent et de son cœur d'homme. Les Peñas ouvrent leurs portes à la fête seulement 5 jours par an. Allez, encore 3 jours, en blanc et rouge. Nicolas, c'est compliqué de savoir où on est. Ah oui, pour celui qui ne connaît pas. Mais bon, on est quand même au Pays Basque, je confirme. Ah, tu me rassures. Voilà, on est dans la vallée de la Soule, ouais. En haut de la vallée de la Soule, aux abords de la forêt d'Irati. Et c'est là où tu fais paître tes brebis. Voilà, exactement, dans un caillolard qui est aux abords de la forêt d'Irati. Quand tu dis un caillolard, c'est quoi? Un caillolard, c'est une cabane, entre guillemets, ou plutôt une maisonnette. Là où le berger se retire tous les soirs. Et autour de ce caillolard, il y a un parcours bien défini pour l'ensemble du troupeau. C'est là où vit le berger. Tout à fait. Tiens, Raphaël, je t'ai pris mes bâtons. Merci. Donc c'est ici ton fameux caillolard. Ouais, enfin, mon caillolard. C'est pas mon caillolard, c'est notre caillolard, parce qu'on est plusieurs bergers à utiliser cette cabane. À utiliser ce caillolard. Voilà, on est 11 propriétaires en tout. Donc il y a un berger à chaque fois qui s'occupe. Voilà, donc à tour de rôle, on vient surveiller les 1400 brebis. Ouais. Et donc on a tant de jours à faire dans la saison, de fin mai jusqu'à début octobre. Pendant la transhumance. Voilà, exactement. Donc le nombre de jours qu'on a à faire, c'est un peu au prorata du nombre de brebis qu'a chacun et du temps passé. Donc toi, tu fais combien de temps, combien de jours d'affilée ici? Grosso modo 3 semaines. Et tes brebis, elles sont où maintenant? Faut les trouver, c'est ça? Et voilà, comme tu le vois, on est en plein brouillard. Donc les brebis, ben, elles sont là-haut, donc on va essayer d'aller les voir. D'accord. Donc avec Aïtsa. Gaïtsa. C'est elle qui va... On te suit. Nous y mener. Allez, on y va. C'est la surprise, on verra bien. Ça y est, je vois des brebis. Oui, mais malheureusement, c'est pas les nôtres. C'est celle du caillolard voisin. Comment tu les reconnais? Ah ben, c'est pas dur. Pour connaître les brebis, chaque maison, chaque propriétaire a sa marque spécifique. Ouais. Donc c'est une bombe de peinture de couleur qui est mise sur les brebis. Donc il y en a qui ont des marques rouges, d'autres vertes, ouais, d'autres bleues. Et il y en a qui sont situés sur le devant du dos, sur l'arrière du dos, sur le côté. Ces marques nous permettent de les trier. Donc là, on est marque rouge. Voilà, là, il y a peu de chances que ce soit les tiennes. Non, là, il n'y en a pas. Là, je sais que c'est les brebis du caillolard voisin. Gaïtsa, on continue? Allez, c'est parti.
peut être parti pour une grande balade. Tout à fait. Nico, tu vois des brebis? Oui, oui, elles sont ici. Où? Approche-toi ici. T'as pas le sens de l'orientation, hein, dis-donc. Ça y est, tu les as trouvées? Ouais. Elles sont en bas? Voilà, tout à fait. Ouais. 5 mois comme ça, ça doit pas être évident quand même. Il y a pas 5 mois de brouillard, ouais. Il y a 3 races différentes de brebis. Ouais. La manège tête noire, la manège tête rousse et la basse gouvernelle. Et moi, celle que j'ai, c'est la manège tête noire. C'est un peu la race emblématique du Pays Basque. Oui, c'est celle qu'on voit sur toutes les affiches. Oui, en général, c'est celle qui est souvent mise en avant parce qu'elle a une certaine prestance. C'est que c'est une brebis qui est très adaptée à la montagne et à la transhumance. Et elle est faite pour la montagne, elle est robuste. Tout à fait, tout à fait. Elle tient la route. Sa robustesse qui est l'une de ses qualités principales. C'est malheureusement une race qui a tendance à être délaissée du fait de sa productivité moindre. Ouais. Mais ici, on y est très attaché. On y est très attaché. Et puis bon, derrière le maintien de cette race, c'est aussi le maintien d'une certaine idée du pastoralisme, notamment de la transhumance. Hé, Tataï, t'es fité. Tataï. Yomehea, katze, katze, katze. Katze, tale. Tu viens du quoi? Bil, bil. Bil, bil. Ramasse, ramasse. Ça, c'est en basque? Ouais. Katze, katze, katze. Jerky. Doucement. Té, té. Jerky. Voilà, il y a juste un travail de diriger les brebis. Après, il ne faut pas que le chien touche les brebis, surtout pas qu'il les morde. Ouais. Voilà, qu'on voit, il y a des brebis, des vaches derrière nous. Mm. En montagne, voilà, ça montre que là, les montagnes sont vivantes, qu'il y a encore des bergers et des gens qui viennent avec leurs bêtes en montagne. Il y a une nouvelle génération qui reprend le flambeau. Oui, oui, oui. Au Pays Basque, on n'est pas trop mal loti. Après, bon, il ne faut pas se voler la face, c'est comme ailleurs. Le nombre d'éleveurs baisse. Mais c'est vrai qu'au Pays Basque, il y a une certaine dynamique quand même. Les jeunes sont attachés viscéralement à leur terre. Donc j'espère qu'autant que possible, il y aura encore des bergers, des paysans qui feront vivre nos villages et qui feront vivre aussi nos montagnes en transhumant avec leurs bêtes. Que la Soule soit vivante. La Soule et le Pays Basque. Ouais. Les paysages sont sauvages, la nature y est dure et le fond des villages isolés. Mais cette terre, ils l'ont choisie. Ils n'ont pas 30 ans et pourtant dans leur province basque, en Soule, ils ont choisi d'y rester ou d'y revenir. Là où le temps semble s'être arrêté. Ces jeunes soultins se réapproprient les chansons du répertoire traditionnel. En revisitant ces chansons, comme nous on le fait, ou il y en a d'autres qui le font à travers des spectacles ou comme ça, ben ça permet justement aux gens de s'intéresser plus à cette culture-là et de voir ces montagnes comme nous on les voit. J'ai été faire mes études en ville, en quelque sorte, et je me sentais pas bien. Dans le métro, tu te fuis du regard, quoi. C'est le jeu du « hop, il m'a vu, hop, je tourne la tête ». C'est un peu ça, quoi. Alors qu'ici, c'est « tiens, il m'a pas vu encore dans les yeux. » Hop, hop, il m'a vu, hop, je lève la main 5 secondes. Vivre ailleurs au Pays Basque, peut-être. Allez, on fait un cercle de 30 km autour de la Soule. Les airs, c'est des airs que ça fait un moment que les gens entendent, quoi, ici. Et là, on arrive chez moi. À la maison, avec ses parents, Pétier, comme ses frères et sœurs, a appris le soultin, le basque que l'on ne parle qu'ici, et qui n'est compris que dans ces villages de la Soule. Il y a coûté ça ? Il y a. Non. Hey! On est ici là. Allez. On est ici là. Si un autre chéri. Bye. Mike, tu sais, il y a plus de période adolescence.
adolescence rebelle, je l'ai laissé. La peur de le parler, la peur de se tromper. C'était quelque chose de très difficile pour moi que j'ai pas fait, que j'arrivais pas à assumer. Jusqu'au jour où voilà, je me suis, je sais pas, retrouvé au pied du mur, mais voilà, j'ai fini par me dire bon maintenant je me lance ou quoi. Ses copines se retrouvent toujours au fronton, la cour de récréation de leurs années collège. Si on veut faire vivre notre petite soule, la plus petite province, en fait, c'est en maintenant ces traditions, en y prenant du plaisir. C'est pas parce que c'est une petite province du Pays Basque qu'on est, entre guillemets, je sais pas si je peux le dire, dans le trou du cul du monde, mais enfin voilà, c'est. On est aussi. Les gens qui bougent, par les qui études, ont... Exactement. Rien que par les études, on est obligé de partir, Aurélie est partie un an. Et il y a un an, Aurélie est revenue vivre ici pour travailler dans une association de jeunes, Asia. Elle accompagne les moins de 35 ans dans leur création d'activités en Soule. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de vivre dans un autre endroit. Parce que c'est vrai qu'ici, on vit dans une espèce de cocon où on est vraiment très protégé. Le fait d'avoir travaillé à l'étranger, d'avoir passé du temps dans un autre pays, ça m'a donné envie de revenir pour m'investir ici. Pour rester ou revenir, bien souvent, il faut se créer son activité dans le commerce, l'agriculture ou l'artisanat. Alors, avec Asia, Aurélie récolte des fonds auprès des particuliers et les met à disposition des jeunes entrepreneurs, comme l'épicière. Avant, elle était préparatrice en pharmacie, loin d'ici. Salut, ça va ? Bien et toi ? Oui. Alors, on peut pas dire que c'est un sacrifice de changer de métier. C'était d'abord une volonté de changer de métier. Et c'était surtout réfléchir à un métier qui me plaisait et qui me permettait de rester en Soule. Cette année, Asia a soutenu 6 jeunes créateurs d'entreprises venus s'investir, comme Aurélie, dans cette province la plus reculée du Pays Basque. Ici, en Soule, ils ne sont que 16 000 irréductibles. À chaque fois que je revenais ici et que j'étais sur le trajet de l'aéroport et que je voyais ces paysages, j'avais l'impression que je les découvrais pour la première fois et je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ici, mais qu'est-ce qu'on est bien ici, mais oui, en fait. » Aurélie était au collège avec le charpentier et comme eux, dans leur classe, la majorité vit en Soule. Donc ce sera un refuge. Ouais, ce sera un refuge pour les marcheurs. En fait, c'est sur un sentier de randonnée. Ouais. Donc les marcheurs pourront se reposer ici, il y aura une cheminée pour faire le feu et voilà. C'est la première fois que tu fais un chantier en montagne. Ouais, c'est la première fois. C'est sympa tout simplement quoi, de bosser dans ce cadre. Ah ben oui. J'ai besoin un peu de me sentir petite. C'est un endroit un peu fétiche où on y va pour pique-niquer, pour faire des soirées, pour les premiers encarts, ou tout simplement pour venir crier quand on a des déceptions amoureuses ou des coups de blues. Mon rêve, c'est de me dire qu'un jour, je pourrais habiter ici, avoir des enfants ici et qu'ils aient la même éducation que nous. Continue mon voyage au Pays Basque en m'enfonçant dans les terres direction Saint-Jean-Pied-de-Port avec un thé, car j'ai rendez-vous avec Maïté qui va me faire découvrir sa ville. Là, le point de vue quand même est magnifique. C'est pas construit, c'est vert, c'est sauvage. Non. Et puis c'est tranquille surtout. Ouais, c'est tranquille. Oui. Il y a combien d'habitants à Saint-Jean-Pied-de-Port ? Il y a à peu près 1500 habitants qui habitent à l'année pour 50 000 pèlerins qui passent dans l'année. Pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, et par Saint-Jean-Pied-de-Port, par ici. Oui. Et après, ils vont où les pèlerins ? Ils vont dans quelle direction ? Ils passent les Pyrénées et la première étape, c'est Roncevaux. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port.
est une ville d'accueil, puisqu'il y a des gens qui passent du monde entier ici. Et ça a toujours été une ville qu'on a traversée. Une maison sur 4 ou 5, il y a le coquillage de Saint-Jacques qui montre que c'est une auberge. C'est ça, un refuge, une auberge, soit des chambres. On paye à peine 5-6 euros. Enfin, moi, quand je l'ai fait, c'était les prix qu'on payait. Toi, tu l'as fait, t'as fait le pèlerinage. Oui, mais j'ai pas fait un entier. C'est une expérience religieuse, c'est... Non, plutôt des remises en question. Et là, pendant le chemin, on a le temps de penser, de réfléchir. J'entends les cloches, Saint-Jacques m'appelle. Ah, je suis prêt. Oui. Ben vas-y, c'est le chemin. C'est par là. C'est par là. Et là, c'est l'endroit justement où on composte son carnet. Pour commencer le chemin. Pour commencer le chemin, justement. Et il y a le monde entier qui vient ici. Ah ben oui, hein. Chaque pèlerin a son carnet bien distinct qui lui appartient. Et ce carnet doit être tamponné à chaque étape dans le lieu où il dort. Ce qui prouve qu'il a fait le chemin du début à la fin. Exactement. Bonjour. Ça doit être la fierté d'avoir son carnet rempli de tampons. La fierté, oui, mais surtout sans les tampons, à Saint-Jacques, il ne donne pas le certificat. Et pourquoi tu fais le chemin de Saint-Jacques de Compostelle? Je pense que ça va me faire du bien de me reposer la tête. Je suis sûr que ce sera une expérience très positive. Bonne chance. Et le plus dur reste à venir. Hein. Alors Raphaël, il n'y a pas que le pèlerinage ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais il y a aussi la pelote basque. Ah, la fameuse pelote basque. Il y a tous les lundis, à 17h pile, une partie de pelote qui se joue ici, en trinquet. La pelote basque, c'est sacré. Pelote basque à main nue. D'accord. On est en retard, ça a déjà commencé? Oui, ça a déjà commencé. Et là, tous ces hommes, c'est des parieurs. Je me disais en arrivant, tiens, il n'y a que des hommes, il n'y a pas une femme. Oui, non, très peu. Il y en a, mais quelques-unes. Mais c'est surtout des hommes. Ils regardent la partie et ils parient surtout. Tu ne vois pas de panneau pour parier? Non, ça non, ici, c'est qu'à la parole. Le basque est connu pour ça. La parole, c'est la parole. Pizza, pizza, on dit en basque. Et tout le monde se rappelle. Donc il n'y a pas de tricherie ici. Bon, on s'installe. Allez, on s'installe. Allez. Donc ici, pour t'expliquer un peu, donc il y a deux équipes de deux, chaque équipe a sa couleur. Et on doit faire qu'un rebond. Exact. Surtout, s'il y a deux rebonds, c'est pas le temps, c'est faute. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, je m'attendais pas à ça, mais on joue avec la main gauche et la main droite. Quelle puissance! C'est encore très pratiqué ici ou c'est folklorique? Non, c'est très pratiqué. Je connais des familles où le père joue, la fille joue, le fils joue, tout le monde. Toi, tu jouais ou pas? Moi, j'ai eu joué. Oui. Ça fait partie de la culture. Comment on dit merci en basque? Milesker. Milesker, maïté. Adieu Saint-Jean-Pied-de-Port, sa pelote basque et son chemin de Compostelle. C'est l'heure de retrouver les routes mythiques d'Échappée Belle. Et cette semaine, le réalisateur Yves Le Grin-Christ vous emmène le long du fleuve Mississippi aux États-Unis pour la fin de son voyage. Moi, je vous retrouve tout à l'heure toujours au Pays Basque pour une petite session de surf le long de la côte atlantique. A tout à l'heure. Le Mississippi, le père des fleuves, comme le surnomment les Amérindiens, a toujours tenu un rôle fondamental dans le développement économique et culturel américain. Un fleuve remarquable à tout point de vue. Il est le plus sinueux du monde, le plus puissant, il est aussi le plus domestiqué. C'est à contre-courant que je vais remonter le fleuve depuis son embouchure dans le golfe du Mexique jusqu'à sa naissance au lac Itasca, de sa disparition jusqu'à la première goutte d'eau. Je poursuis ma route vagabonde et ma remontée du fleuve.
j'arrive à Minneapolis, dans le Minnesota. Un état de plus traversé par le Mississippi, un état de plus dans mon voyage. Minneapolis sera la dernière grande ville sur ma route. Étrangement, il n'y a pas grand monde dans les rues. Habitué à la frénésie des villes américaines, je suis curieux de savoir où sont passés les gens. C'est finalement dans le centre-ville que je les retrouve tous, assemblés pour une célébration typiquement américaine. C'est la parade du All-Star Game. Il y a des joueurs de toutes les équipes de baseball du pays. Là, vous voyez, il y a Chapman. C'est le lancement du match de tout à l'heure. C'est un moment très important pour notre État. Un moment important pour tous les gens qui sont ici. Il y a les stars de toutes les équipes du championnat. J'attends de voir mon joueur. Il est de Cincinnati, Ohio. C'est de là que je viens. Son nom est Joey Vogel. J'espère que je vais trouver un moyen pour aller voir le match. Parce que c'est cher. Ils demandent $500 pour un ticket. Je leur ai dit que je n'avais pas le compte en banque de Oprah Winfrey. Si j'avais autant d'argent, j'aurais emmené ma femme ici dans le Minnesota pour aller voir le match. Moi aussi, je me contenterais de regarder le All-Star Game à la télévision le soir même. Saint-Paul et Minneapolis marquent la fin du Mississippi navigable. La fin aussi de cette volonté parfois illusoire de domestiquer le fleuve. L'ultime remontée vers le nord me conduit vers les terres les plus sauvages du Minnesota, vers un Mississippi qui n'appartient plus qu'à ceux qui vivent sur ses rives. Un Mississippi à visage humain. Quelques kilomètres de la fin de mon voyage, je rencontre celui que les hommes de la nation Ojibwe ont surnommé l'Indien blanc, Terry Larson. On va aller chercher de l'écorce de bouleau. C'est un plaisir pour moi, car ensuite je vais pouvoir créer des objets et les vendre. Les Indiens s'en servent depuis des millénaires. Ils font plein de choses avec, même des canoës. C'est la bonne période de l'année, parce que l'humidité est là. I've
J'ai repéré ces arbres il y a quelques années. Je savais qu'un jour je pourrais les utiliser. L'écorce est claire, pas de nœuds. Il est très important de ne pas couper trop profond. Si je coupe trop profond, j'attaque le tronc et je peux tuer l'arbre. L'arbre m'offre un cadeau, un merveilleux cadeau. Alors je ne veux pas lui faire de mal. Si je fais ça bien, comme ça, l'arbre survit et je pourrai revenir dans quelques années. C'est important de respecter l'arbre. J'aime faire ça avec mes mains, plutôt qu'avec des outils. C'est plus intime. J'entretiens une sorte de relation avec l'arbre. Les Indiens m'ont appris ça. C'est tellement beau. Merci pour le cadeau. Je suis en train de faire un panier traditionnel de la nation Ojibwe. Ils l'utilisent pour sécher leur récolte de riz sauvage. Ils lancent le riz dans les airs et les impuretés s'envolent avec le vent. Ma relation avec les Ojibwe remonte à mon enfance. Ils étaient pauvres, comme ma famille, mais ils étaient riches en tradition. J'ai beaucoup de respect pour la nature, pour les rythmes de la vie, pour le cycle de la vie, comme les Ojibwe. J'aime cette idée. J'aime qu'on pense à moi comme à un Indien blanc. Quelquefois, j'aimerais être un vrai Indien. Je comprendrais avec le cœur. Mais je ne suis qu'un homme blanc qui aime les coutumes indiennes. Avec Terry, je vais remonter les derniers kilomètres du fleuve en canoë. Petit-fils de migrants norvégiens, il m'emmène sur des terres qui appartiennent à sa famille depuis une centaine d'années. Le Mississippi me donne tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Il me donne le poisson que je pêche, le gibier que je chasse, et il abrite ma maison. Je récolte le riz sauvage qui pousse sur ses rives. Je n'ai besoin de rien d'autre. C'est tellement calme ici. On entend tous les sons. Il y a beaucoup d'animaux qui me suivent. Tout cela amène à l'introspection. Cela me permet de comprendre ce qu'il faut que j'améliore dans ma vie. Ici, c'est la seule section depuis la Nouvelle-Orléans qui est protégée. Les premiers 80 km. En grande partie grâce aux Indiens qui participent à cette protection. Voilà ce que je peux faire ici. Je ne ferai pas ça à Minneapolis. Je ne ferai pas ça à Memphis.
Mais je le fais ici, parce que l'eau est pure. Ma famille possède ces terres, sur les rives de Mississippi, depuis 1932. J'aimerais aujourd'hui, et je me bats pour ça, que nous, les héritiers, fassions une donation à l'État du Minnesota pour que ce lieu soit protégé. Il faut protéger tout ça. Il y a trop de parcelles de terrain qui, avec le temps, sont divisées entre les héritiers. Nous, on en est à la cinquième génération. C'est simplement mathématique. On protégera mieux si cette terre n'est pas divisée, et ce sera pour le bénéfice de tous. Et nous, on en profitera de toute manière. La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les plantes qu'on laisse s'y développer. Dans ce décor unique, cette phrase de George Sand prend pour moi tout son sens. Au détour d'un méandre du Mississippi, Terry m'a réservé une surprise. Il a invité le chef Black Feather, Plume Noire, et des musiciens de la nation Ojibwe. Leur chant est une forme de bénédiction. Un chant qu'ils m'offrent pour rendre hommage à mon voyage sur le Grand Fleuve et pour protéger mon retour. Quand tu vois la lumière du nord, que tu vois toutes ces couleurs différentes qui dansent dans le ciel, ce sont les esprits qui dansent. C'est le monde des esprits que tu vois. Regarde le mouvement de ces nuages. Nibi, c'est l'esprit de l'eau. Il représente la vie. Dans notre passé, le fleuve était une voie de communication. Aujourd'hui, on voit le fleuve comme un lieu récréatif, parfois même un lieu de convoitise. Pour moi, ce fleuve est sacré. Il donne la vie et protège la vie. C'est ici, sur les rives du lac Itasca, que s'achève mon voyage. C'est ce petit lac d'origine glaciaire qui donne naissance au fleuve mythique. Durant mon périple, j'ai fait la connaissance de femmes et d'hommes profondément liés au destin du majestueux Mississippi. Chacun d'entre eux, à sa manière, est un acteur de sa protection, de sa domestication, ou même de la culture qui émane de ces eaux indomptables. Ce qu'ils accomplissent n'est qu'une goutte d'eau dans un fleuve immense. Mais le puissant Mississippi, le père des fleuves, n'est-il pas une addition de gouttes d'eau ? Thank you.
il faut vraiment étaler. Hein. Étaler ? Ouais, ouais, il faut répartir beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est juste pour les distraire un petit peu. Tu sais, c'est comme des cacahuètes à l'apéro. T'entraînes combien tous les matins ? Eh bien, je sais jamais exactement. Il y en a, je crois qu'il y en a 39 à la traite là en ce moment. Ouais, quand même. C'est vraiment un tout petit élevage. Ce sont des Pyrénéennes. C'est la race locale en voie de disparition. Ouais. Tu vois comment elles sont belles. Elles sont magnifiques. Voilà. Et c'est une race rustique qui fait très peu de lait. Et un lait beaucoup plus concentré, avec beaucoup plus de parfum. Et ouais. Le fait qu'elles aillent dehors aussi. Voilà, donc au bout du compte, en litrage, c'est un litrage très faible, mais qui permet de faire un fromage. De qualité. Ouais, qualité, je sais même plus si ça veut dire quelque chose aujourd'hui, mais oui. Ouais, ouais. Je vais tester celle-là ou pas ? Non. Non, elle est trop compliquée. Ouais, tu vas tester Féréca, tiens. Alors, tu lui parles, tu la touches, tu lui dis bonjour. C'est assez sensuel. Bonjour, ça va ? Parce que si tu parles pas à ta chèvre... Oui, excuse-moi, je te prends la mamelle. Voilà. Gauche, désolé, mais j'essaie de trouver mes marques, moi aussi. Hop, je bloque. Voilà, laisse-toi faire. T'entends ? Ouais. Bravo. Pas mal, hein? Ah bah ouais, c'est super. Et toi, tu fais toujours la traite en musique? Du Vivaldi, du Mozart, du Galliano. Mm. Est-ce que les musiques changent le rythme de la traite? Je crois pas. Je crois que le rythme de ma traite, il est quand même assez régulier. Ouais. Ça change l'ambiance. Mm. Ça change l'ambiance. À ce rythme-là, je suis pas sûr que la production va être bonne. C'est ma petite contribution. Et ça, c'est la mienne. La comparaison est dure. C'est lourd ? Un peu. Mais on passe dans ton labo, c'est ça ? Oui, on va à la fromagerie. Tu peux mettre de louche ? Ouais. Quand t'as commencé il y a 15 ans, c'était assez novateur de faire des produits bio. Alors que maintenant, ça paraît plus naturel. Oui, oui, oui. Alors, il y avait des gens qui étaient en bio depuis très, très longtemps, dans les années 70-80. Là, il y a eu une première mouvance. Mais après, donc, moi, je me suis installée en 2000. Ça commençait à être un peu entendu. Pour toi, c'était naturel de faire du bio ? Je pense que la terre, tout comme les animaux, on peut apprendre, je crois que c'est un apprentissage, à faire autrement, tout simplement. Et moi, je pense que le boulot du paysan, entre autres, c'est celui-là, quoi. Et on sait faire. C'est protéger le vivant. Oui, et faire en sorte que l'humanité se nourrisse. Mmh. En fait, le fromage, c'est la vie. L'étymologie de fromage, c'est formaticus. C'est mettre en forme. Hop. Ouais. Allez, on est dans ta cave d'affinage ? Oui, c'est là que les fromages mûrissent gentiment. Tu les laisses combien de temps ? Alors, bah ça dépend. De toute manière, dans le monde de paysans, la réponse, en général, c'est... Ça dépend. Ça dépend. On peut goûter ou pas ? Bah, oui, on peut goûter. Toc. Attention. Déjà, je le sens. Donc ça, c'est celui d'avant-hier, d'hier. Ouais, ça, c'est ce qui a été démoulé hier. Et d'ailleurs, du coup, je vais en profiter pour les retourner. Parce qu'il faut les retourner tous les jours. Excellent. Et leur parler avec amour. Ah, tu leur parles aussi quand tu les retournes ? Bah oui. Bah ouais.
super bon. Très frais. Et pas trop salé, justement. Juste comme il faut. C'est parti pour la journée, là. Elle passe la journée dans les champs. Ouais. Basque, le chœur d'Arantzaleak, les hommes de la mer, nous chante l'histoire de deux marins. Une tempête s'abat sur leur voile. Un pêcheur se noie, l'autre ne peut le sauver. Mais face aux éléments, il continue sa pêche artisanale. Les Basques sont un peuple de marins et de très grands marins. Le second de Christophe Colomb, c'était Elcano, donc un Basque est parti d'un petit village ici à Guétaria. Donc, sur les bateaux qui ont découvert l'Amérique, il y avait une quantité de Basques. Quelques années plus tard, Jacques Cartier pense accoster le premier au Canada. Mais les Basques sont déjà là. Ils ont toujours pris le large avec l'espoir de trouver de nouvelles pêches. Face à la mer, les stèles basques du cimetière marin gravent cette histoire. Comme ici, la baleine avait quelque peu disparu. Ces pêcheurs sont allés à la recherche des baleines et ils sont arrivés jusqu'à Terre-Neuve. Lorsqu'ils pêchaient donc ces baleines, ils ont pu mettre toute cette graisse en tonneaux pour pouvoir ramener en France. Et à partir de cette graisse, on a pu faire donc des chandelles et même les lampes à huile. Le vague à l'âme. Les marins basques ont tant de fois vu les feux du port s'éloigner. Ils ont fait le tour des océans. Alors aujourd'hui, les Basques disent de leur diaspora qu'elle est la 8e province. Il serait plus de 4 millions à l'étranger. Ce matin, les matelots de l'Airocha prennent la mer. Saint-Jean-de-Luz a été le premier portonnier de France. De juillet à octobre, ils sont encore quelques équipages à traquer les bancs de thon rouge. Ah, je suis content. Je suis content. J'aime cette pêche. J'aime beaucoup cette pêche. Je suis venu ici, j'avais 10 ans quand j'ai commencé. Ça fait monter un peu l'adrénaline de voir ce thon, de pêcher ce thon. C'est sportif un peu, on va dire. Là, va, il vient, le poisson, il vient. Hein. Les Basques ont découvert cette technique de pêche à la canne en Amérique. Et depuis, ils livrent des duels dignes du vieil homme et la mer. Dans les années 50, le thon avait disparu de ses côtes. Alors, les Basques ont suivi les bancs de poissons au large du Sénégal, comme Jacob. Tire, là. C'est les jeunes de l'école de mousse. Il faut qu'ils apprennent un métier. Comme nous, on a appris, il faut qu'ils apprennent. Parce qu'on ne va pas venir en mer jusqu'à 100 ans. Redis un peu. Là, voilà. Une main. Comme ça, avec les grandes cannes, non, ils ne vont pas laisser. Mais prochain coup, on va essayer, oui. Parce que c'est un rêve de canner un thon. Un rêve. C'est un rêve. Airocha, en basque, un mot pour dire qu'on est heureux.
Baptiste, les conditions sont comment aujourd'hui pour surfer? C'est parfait pour débuter. Ah. C'est tout petit, ouais. On va pas se faire de frayeur. Bon, je veux bien que vous m'appreniez un peu les bases du surf. Parce que moi, je suis une bille. Bon, on va commencer sur le sable. Ok. Alors, on va essayer de faire le mouvement du take-off et puis tu vas voir... Le mouvement de quoi? Le mouvement du take-off. D'accord. C'est pour se mettre debout sur la planche. Alors, on va voir quel pied tu vas essayer de mettre naturellement dessus. Okay. Je vais t'en remontrer un petit pour que tu vois. Donc, tu rames pour attraper la vague. Et une fois que tu l'as attrapée, tu poses tes mains là. Et là, tu vas pousser pour te mettre debout. Je me cambre un tout petit peu. Tu te cambres un petit peu. Et ensuite, tu pousses et tu te mets debout. Voilà. Et tu n'oublies pas le style. Ouais, voilà. Non, mais j'ai l'impression... Après... Dans le surf, excusez-moi, mais dans le surf, il y a quoi? 50% de technique et 50% de style, c'est ça? Ouais. Et 100% d'expérience. Ah, d'accord. Ok, ça, c'est pour moi aujourd'hui. Voilà. Il faut la faire. Ok, j'essaye. Alors, hop, je rame. Alors, tu es un petit peu trop en avance, ouais, sur la planche. D'accord. Voilà. Là, c'est mieux. Ça, voilà, va, c'est bien. Et donc là, au début, forcément, on va chercher la vague. Donc là, il y a une vague qui arrive, alors tu rames. Je rame. Alors là, tu rames vite, 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 voilà, vite. J'accélère parce que je veux la prendre. Voilà, tu l'attrapes, elle te pousse. Yes. Yes. Et t'as, okay, le pied gauche devant. Ouais, voilà. Ah, oh, voilà, bon, ben, on s'est planté. Ça, c'est un beau take-off, non? Musique face à l'océan. Yeah. Ouais. Et toi, tu joues quel instrument? De la guitare. C'est une guitare qui a un peu vécu. Ouais. Elle a un petit peu... Elle a voyagé avec toi? Elle a voyagé, ouais, dans pas mal d'endroits avec moi. Ouais. Et tu chantes aussi, je vois qu'il y a un micro. Ouais, je chante. Puis après, je fais des chansons, tu vois, par rapport à mes voyages et les ressentis que j'ai eus. Et aussi un peu par rapport au surf ou pas du tout? Tu dissocies les deux univers? Non, je dissocie les deux univers. Ouais. Après, c'est un peu le même état d'esprit, quoi. La liberté. C'est vrai. Et quand on a beaucoup voyagé et qu'on revient au Pays Basque, on ressent quoi? En fait, quand t'arrives en avion, t'as une vue incroyable. T'arrives, tu survoles la rune et puis tu vois la mer qui est magnifique. Et puis tu te dis qu'il n'y a pas de plus beau pays. C'est ce qui va me manquer, moi, parce que moi, c'est la fin de mon voyage. Ouais. Et justement, tu parles de la rune, j'ai pris le petit train de la rune, l'arrière-pays, Bayonne, Biarritz, la douceur de vivre, et puis surtout l'accueil au Pays Basque. Ah. Je finis mon voyage en beauté avec un super groupe. Donc, place aux artistes. Cool. Je vais vous écouter, tu vas me faire quoi? Une chanson qui s'appelle Babylon Vibes. D'accord. Qui parle d'avoir le sourire en voyage pour attirer des bonnes choses sur soi. Ouais. Et puis de découvrir plein de trucs, enfin, tu vois, l'esprit du voyage. Ouais, l'esprit aussi chaleureux du Pays Basque. J'espère. Moi, je vous retrouve, j'espère, très bientôt pour de nouvelles échappées belles sous d'autres latitudes. Allez, place à la musique. C'est parti. I love you, and you're gonna sing too.